Et là, je le direct. Ok, on a 20 minutes chacun. Je ne sais pas combien de temps supplémentaire, on verra ça. Je pense que c'est 5 fois 30 secondes, mais je me trompe peut-être. On est contre un 5ème queue, parce qu'on n'est que 4 queues sur ce logiciel. Donc, on va essayer de le monter rapidement. Hein. Ouais, ça va bien, merci. Salut, Nirimko, comment ça va? On va jouer double chi également. Je regarde si ouais, les coordonnées, ça va. C'est lisible? Ouais, ça a l'air lisible. Et il m'approche, d'accord. On peut dire. Bah là, tous les bords se valent, on a joué 4 chi. On peut décider d'aller par ici. On peut Tenuki. On va approcher là. On peut pincer, toutes sortes de pinces. Notamment ces trois-là, en fait. On peut kick, on peut aller là. Enfin, ça se fait beaucoup plus quand on a une pierre par ici. On va passer comme ça, j'aime bien. On va tester. Ouais, c'est Just Go sur Steam, mais on joue avec des personnes qui lancent, qui recherchent leur partie sur OGS, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je sais pas combien il est sur Steam, là, il doit être 5-10 euros, quoi. Genre. Je pense pas qu'il s'est fait beaucoup plus. C'est purement pour le côté esthétique, quoi. Mais c'est agréable, je trouve. Ça change un peu. Différent de Satsan, ok, normal. On coupe. Je me demande si c'est pas le commentaire de partie de Crosensei. De quoi? Le commentaire de partie de Crosensei. Ah, ce soir, si on fait. On pourra si Cro vient, ouais. J'avais oublié. Mais s'il est là ce soir, on pourra faire, ouais, carrément. Quand on pince proche, parce que c'est moi qui ai pincé. Maintenant, c'est ça. Par contre, si on a pincé un peu plus loin, on revient là, je pense. Ouais, c'est ça, on revient là. C'est toutes les playlists de tous les. Mais je crois que, ouais, là, je crois que c'est ce château dans le ciel, là, ouais. Mais en même temps, là, ils vont tous passer parce qu'il y a 3 heures de piano Ghibli. Ça, je m'embête pas. Je sais qu'une suite potentielle pour blanc, c'est de faire ça. Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin? Pour jouer justement, on a fait un début de mur. Autant aller plus loin pour menacer de faire le plus grand mur possible, le plus grand espace. Et en même temps attaquer un peu sa paire. Et salut à Shane Blood, je sais pas si je t'ai dit bonsoir. T'as commencé Pépouze, autant continuer. C'est ça. Ouais, c'est magnifique les Ghibli. Ouais. En plus, tant que c'est bien, ça prend pas. C'est pas énervant, c'est passe-partout, il n'y a pas de parole. Et en plus, c'est beau. Que demande le peuple? Ok, il kick. C'est peut-être un peu lent de faire ça. Peut-être plus envie de sauter comme ça. Faut voir comment il réagit sur ça. A pas des coups en sixième ligne qui sont à la mode avec l'IA? Si on rajoute un coup comme ça pour dire regarde j'ai une grosse boîte, le coup à l'épaule est assez évident. Donc j'ai envie de jouer un coup par là en tout cas. Mais ce genre de coup c'est un peu. Je sais pas. En même temps, dès qu'il vient ici, c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas vraiment protéger. On va juste sauter. Salut Chris! Comment ça va? Et salut Linbogie. L'IA, elle aime bien jouer dans les grands espaces, ouais. Et il était nous qui ça. Ok, bon, on a un bord est qui peut être très intéressant. Par contre, il a potentiellement pris les deux coins. Bon, un sûr. Le deuxième, il reste des petites faiblesses. Du coup, je mets mes coordonnées sur ce côté. R3. Et il vient par ici. Bon. C'est vrai qu'on n'a pas de coin. Je pars là. Salut, Cro. Ça va bien et toi? Est-ce que tu veux qu'on revoie ta partie après celle-là? Il vient de ce côté, du coup on va approcher ici. Peut-être qu'il va nous kick au-dessus, comme il a une pierre ici. Yes, we can. Ok.
Et ouais, ça va. Non, c'était pas moi que tu disais, Heidi. Tiens, en fait, j'ai vu qu'on peut faire du Rengo aussi sur OGS maintenant. Ok. On pouvait pas. Ah bon, j'imagine si tu dis ça. Est-ce que je fais Sansan? Je fais Sansan. J'aime bien faire les doubles pinces comme ça, enfin, les doubles approches plutôt. Mais j'ai pas de coin. Donc c'est plutôt intéressant de prendre un coin. Surtout que je vais peut-être finir Sente sur cette séquence. Enfin, je vais finir Sente sur cette séquence. Donc c'est intéressant pour moi. Parce que je vais peut-être pouvoir garantir ma prise de ce coin. Oula. Enfin, on pousse dedans, c'est pour couper. Alors si je fais ça, ça a l'air d'être de la forme souvent, mais il fait Atari et il a le Sente. Donc je pense que je dois aller là. Il va ici, je vais là, il pousse et je Tenuki. Ouais, je pense que c'est ça. Les trois magnifiques, toujours apprécié ce Joseki. Ouais, bah c'est la version moderne, non? C'est pas le coup classique? Ok, pourquoi pas. Capture, et il protège. Alors, maintenant, on a ce coin. Je ne dirais pas qu'on a ce bord, mais on est avantagé sur ce bord, ça c'est indéniable. Voilà, on a un beau potentiel. Mais si on dit coin bord centre, il reste quand même un endroit intéressant qui n'est pas encore tout à fait défini. C'est ici. Bien sûr, là il reste une petite faiblesse, mais c'est plus de l'ordre de la réduction. Donc, on va fermer ça. J'aime bien les points. Lee Chang'o le jouait aussi dans son temps. Ok, d'accord. Je vais bien le prendre alors. Voilà, c'est sympa parce que ça laisse des réductions envisageables en B5. Et même bah là, je peux réduire par là, je peux réduire par là. Donc je me fais pas trop de soucis pour le moment par rapport à ça. Il approche sur le burner. C'est marrant parce que c'est pas là où il y a le plus de potentiel. J'aurais plus vu une approche par ici pour lui en E16. Tac, tac, il revient là et il crée un potentiel énorme ici. Par contre, il peut encore le faire, surtout avec cette pierre maintenant. Donc peut-être que je vais rajouter un coup. Ce Toby-là, ou un coup comme ça, vraiment pour dire, regarde, je peux rentrer ici. Peut-être un peu plus vivant, ça. Un peu plus rapide. C'est ça, on lui reprochait de jouer le Yossé au coup de 10. Ouais, mais en vrai, bah, pour ceux qui aiment le territoire, je pense qu'ils sont très contents de savoir que ça, c'est devenu un coup classique. J'aime bien les points aussi. Je sais pas trop ce qu'il fait là. Parce que quand tu. Ok. Quand tu forces un Kema, c'est pour le couper. Donc au moins il le coupe. Si je fais ça, il peut faire Atari, je reviens là, il continue. Ouais, là. Il recule. Je peux aller là. S'il va ici. S'il va là, je peux venir le capturer. Et si il va ici, je peux aller là. Il y a une menace de Shisho. Le Shisho est bon pour moi. Ouais, ça arrive ici. Donc je peux faire ça. Il va là, je vais là, il doit sortir. Et ensuite je viens là pour prendre ses pierres. Tac, s'il résiste comme ça. On recule. Il recule. On recule. Il revient encore. Continuer en fait, on peut continuer parce que de toute façon, on a le coin, on l'écrase. Au pire, s'il vit, il vivra sur la deuxième ligne. Ça a l'air intéressant comme séquence. Je profite de ce moment pour dire je vais la mettre sur YouTube, peut-être cette partie, ou peut-être pas. Hein, mais si il y en a qui voient cette partie sur YouTube, n'hésitez pas. Du coup, j'ai petites animations à aimer la vidéo si vous le souhaitez et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir si vous le souhaitez aussi. Merci. Non, c'est pas ça. Hop là. Voilà. On sent l'expert. Donc, on fait notre séquence. Là, il doit fuir s'il va lire le chichot. Alors, j'aurais peut-être tenté C15. C15. T'aurais fait l'atari direct? Ouais, mais j'avais peur de me faire déchirer totalement de ce côté, en fait. Là, j'ai l'impression d'être sûr de pouvoir tout connecter. En soi, si je veux, je fais Atari, tac, et je prends. Ouais, non, si je fais ça, il fuit. En soi, je suis sûr d'être connecté.
Y a pas le chichot là? Ça dit, je dois pousser une fois de plus, donc il faut relire le chichot. Ah, il a pas le chichot en fait. Ah, il a pas le chichot. C'est. Est-ce qu'on le prend maintenant? Ouais, ça sent le groupe. Ça connecte mes groupes en fait. Mais en même temps, taper là, c'est intéressant aussi. Et dire, en plus, t'as une faiblesse là-bas. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a plus de points à prendre ici parce que si je prends. Ça lui sera tout de même ce coup senté. Et ensuite, il peut fuir avec ses pierres. Et finalement, il développe un peu là et. Il développe sur l'ouest. Alors que là, j'ai plutôt des coups d'attaque comme ça. Garder ce coup en suspens. Et là, maintenant venir ici, c'est intéressant. On va faire ça. Si je fais ça. Atari. Parce que là, ces pierres-là, elles sont un petit peu loin de cette position. Atari, d'accord. Et maintenant quoi? Il peut monter ici. On capture. Et ensuite, il descend là. On capture ça. Et il ferme de ce côté synthé. Ou alors on vient ici. Pour empêcher cette descente justement. Mais il peut faire Atari là. On capture, il refait Atari. Et là on fait un pâté et il referme ici. Ça a l'air plus intéressant pour lui de fermer de ce côté que sur ce bord. Parce que nous on peut encore sauter là. Donc je pense que c'est une erreur de d'aller ici. Capturer tout de suite, je sais pas. Peut-être que je peux tout simplement venir là. S'il connecte, il se fait un angle vide. Et s'il descend là, je peux aller là. Il peut pas bloquer. Il y a Atari. Capture. Donc ouais, on peut faire ça clairement. Allez hop. On va jouer rapidement. Je vois le territoire de Noir fondre comme portefeuille à Trolls et Legends dans 3 semaines. Ah, tu te fais ta petite pub. Ça va se passer sur ta chaîne Twitch. Comment on fait bambou? Ce coup-là ou ici a l'air fort? Parce que souvent, si on peut empêcher la gueule de tigre à l'adversaire, c'est assez fort. Et là, Noir, s'il joue par ici plus tard, il a presque un œil, ça développe de ce côté. Si je joue là, ça menace vachement d'aller par ici et il a juste un gros pâté assez vilain. Il faut juste regarder quand il force. Tac, Atari, on va là. Il risque juste d'abîmer ses formes. On va aller là. Sur c'est un salon en Belgique sur l'imaginaire. Auteur BD, JDR. Ok, je connaissais pas. Ok. Il vient ici. À tout moment, je pourrais capturer là d'ailleurs aussi. Atari. Il aime bien couper, hein, m'a forcé dans les trucs. Ici. Là. Et là maintenant. Ouais, c'est qu'aucun des trois ne lui apportait vraiment une plus-value. Il va sortir ici. Parce que là, on sent Nobi, solide. De toute manière, il n'y a pas de chichot. Soit je capture là, soit quand il fait Atari, bah, ça fait Atari sur ces deux pierres. Donc il n'y a rien du tout. S'il fait Atari de ce côté, tac, 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 tac. Bah, de toute façon, je peux capturer là. Hein, mais justement, je continue jusqu'au bout. Et à la fin, je capture ça. C'est dramatique. De toute façon, il n'a pas le chichot. Il n'a pas le chichot. Ici, ça va faire un Atari sur une de ses pierres. Aïe. Ah, j'avais même pas fait gaffe d'ailleurs. Ça met les pierres capturées de ce côté. C'est chouette. Et il descend là enfin. Ok. On va reculer. Gentiment. Il force par ici. On va pas capturer parce qu'après, il peut faire l'Atari et essayer de faire quelque chose de gros là. Donc, on va juste sortir.
Mais maintenant, c'est ces trois pierres là qui sont bien attaquées, effectivement. Ah non, il aurait pas pu faire atterrir de l'autre côté, je suis bête. Parce que on aurait capturé deux pierres. Bref, c'est pas grave. Et là, il sauve ça, c'est pas très important cette pierre. Si je faisais double atterri ici, il pouvait faire atterri là. Je capturais celle-ci, mais c'est pas très important. Donc maintenant, on est à la fin d'une séquence. Est-ce qu'il a des groupes instables? Est-ce que moi j'en ai? Là non, non. Tout ça c'est connecté. C'est trois pierres à la rigueur. Et lui, est-ce qu'il a des groupes instables? 1, 2, 2 groupes. Qu'est-ce qui est intéressant? À propos, c'est celui-ci, parce que ça consoliderait mon groupe. Donc on va venir par là. Qu'est-ce qui se passe s'il coupe direct? Tac, il coupe, tac, il coupe. Il reste deux libertés, je fuis. Ça a l'air d'aller. Mais peut-être que le Kosumi est plus prudent. Il pourrait aller là. Je vais là direct. Je peux monter, je monte, il peut couper. C'est assez risqué ça. Est-ce que je risque grand chose avec ce Kema? Tac, il peut aller là. Je défends, il va là. On va juste faire un Kosumi, ouais, vraiment. S'il rampe, c'est pas trop grave. On a un gros potentiel, là. Je viens de regarder. En fait, on a... Peut-être c'est cette zone-là qu'on a envie de développer plutôt qu'attaquer l'un ou l'autre, vraiment. On va plutôt s'en servir en mode... on te pousse. Tu vis, voilà. Je m'en fiche s'il vit avec ça. S'il fait sur la deuxième, voire troisième ligne, c'est pas très grave. Et nous, on continue à développer un potentiel ici. Et le tournant ou le Kema pourront être assez virulents. Rien qu'être capable de faire ça, que tu viens de faire là à l'instant, ça m'aiderait de ouf à passer un cap. De faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce qu'il peut encore monter par ici? Comment on fait ça intelligemment? Des petites faiblesses par là. De faire le point sur la situation du Goban. Ouais, bah essaye de vraiment à chaque fois qu'il y a une fin de séquence que voilà, t'es plus en Atari ou l'adversaire, qu'il n'y a plus de sous-mégo, si t'as le temps bien sûr, parce que là il me reste quoi 7 minutes 20. Ouais, là il faut se poser quelques questions. Et souvent les questions c'est est-ce que j'ai des groupes instables? Sinon, est-ce que l'adversaire a des groupes instables? S'il n'y a rien de tout ça, est-ce qu'il reste des grands espaces à jouer en ma faveur? Sinon, est-ce qu'il y en a en sa faveur? Voilà, je joue vers là. Et une autre question que tu peux te poser souvent, c'est s'il n'y a rien de tout ça et que je sais vraiment pas trop quoi jouer. Essaye de te mettre dans la peau de l'adversaire et de te dire qu'est-ce que j'aimerais vraiment jouer à ce moment-là, par exemple. Et si tu trouves, bah, tu peux te dire, bon, au moins ça ferait chier, quoi, si tu joues dans cette zone à sa place. Des petites questions comme ça pour faire le point. Salut Master Kiki. Bonsoir. Je peux écraser tout simplement. Tac, 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 il va là. Je force, il va là. Il va là, il va là. Je suis atterri. Dans un monde idéal, quoi. Parce que, est-ce que j'aurai le Sente pour faire? Si, je vais là, sinon. Tac. Il va là. Je vais ici. Ouais, mais c'est encore le même truc ici. Coupe. J'ai l'air con. Et si, je vais là. Tac. Noir monte. Je descends. Rien de spécial. Je vais faire ça, et s'il vient ici, peut-être maintenant ce Toby, qui menacerait à la fois de faire la gueule de tigre ici, et de descendre. Ça a l'air intéressant. Après pour lui c'est pas facile, hein, puisqu'il est, il est 5Q l'adversaire, et ça se joue à égalité. Je dois avoir 6,5 de commis je pense. Même si on m'a dit que les niveaux sur OGS étaient supérieurs à ceux sur KGS notamment. Donc un 5Q OGS prendrait très souvent les victoires sur un 5Q KGS. Je prends note. Et bonsoir aux casters présents. Ouais. C'est joli comme, comme interface, je trouve.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que dans les options, je mette que les pierres soient parfaitement alignées. Là, moi, j'ai mis l'option où c'est pas exactement aligné. En fait, c'est comme si on jouait sur un vrai Goban, quoi. C'est jamais parfaitement aligné. C'est quoi comme interface? C'est le logiciel... 1, 2, 3. Le logiciel Just Go sur Steam. Donc, juste Go. Tu peux taper, tu trouveras facilement. Si je viens là. Non. Je vais devoir forcer là. S'il fait cet Atari, en fait. Je comprends, hein, mais tu étais mort dans le coin. Et oui, je ferai pas ce potentiel, mais. Est-ce que je peux descendre? Et voilà, parce que sinon le année il va. Il tue le coin, c'est sûr. Le Nobi noir. On va pas prendre de risque, on va faire ça. Faut ajouter Steam, sinon tu pars sur la SNCF. Quoi? C'est pas cool. Ouais, Just Go, il est joli. Faut pas se tromper. C'est un coup à se retrouver très loin. Très pas coupable ce année. Oh là là. Oui. Ah oui. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon du tout. Bon, on ferme, hein, mais bon. Ah, t'as envoyé un... Ah, oui, oui, c'est pas eu. Mais c'est comme... Bon, ça, je l'ai déjà dit, je crois, mais... Pas pourquoi je recopie, mais bon. C'est comme quand j'avais dit... Ah, dommage que ça soit la marque aussi pour se balader en Bretagne. Brace Go. Et du coup, parce que sinon, j'aurais pris ce pseudo, mais bon. Je peux pas. Ok. Juste revenir là. Ouais, je me suis un peu compliqué la tâche. Ça devrait aller, mais. C'est. Ah, ce genre d'erreur. J'ai le temps de tourner là, je pense. Peut-être faire ça. C'est ça le truc. J'ai ça à surveiller là. Ouais, bon, surtout ça et ça, parce que ça en soi, c'est vivant. C'est juste qu'on aimerait bien aller par là un jour. Le coup le plus prudent, ça a l'air d'être ça. Hein. Parce que là il peut descendre, on irait là. Quoique, ouais, quand il descend, on va là. Tac, tac, il saute. Ouais, s'il descend, en fait, on fait ça plutôt. Donc, on a le temps d'aller par ici, je pense. On le laisse connecter au-dessous, c'est pas grave. Ok. Tac, s'il vient là. Ouais, là un coup. Tac, tac. Hop. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être gourmand, ouais. Hop. On peut tourner là encore. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Vernet ici. Il peut pas faire année. Il faut qu'il fasse l'angle vide. Parce que s'il fait le année en se disant je peux pas couper, ce qui est vrai, je peux pas couper tout de suite puisqu'il fait Atari. Mais je peux d'abord faire ça. Parce que là oui, si je coupe, qu'il fait Atari, et que je protège, je suis en auto-Atari.
Donc il faut d'abord faire ça. Ah, je fais ça d'abord. Il vient là. Ensuite, atterrir comme ça. Le jour où on peut jouer aussi sur Fox avec, je le prends. Ouais, ça serait cool, ouais, effectivement. Mais en vrai, ça m'étonnerait qu'ils le touchent plus que ça, ce jeu. Ça m'étonnerait vraiment. Ils ont sorti leur jeu à la base, il manque plein de trucs, je trouve, ben, rien que les coordonnées, quoi. Il y a que sur la scène d'étude qu'il y a les coordonnées, mais ben, le plateau est pas très joli, quoi. Et c'est que en haut et à gauche, comme sur Fox, je crois. C'est un peu dommage. Noir. En fait, on peut faire cet Atari ensuite. Ça se veut réaliste. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça se tient. Ouais, s'il protège, bah je fais Atari là. Du coup, il sacrifie. Mais ça fait chier. J'ai été gourmand quand même, hein. Il faut faire attention. On va aller continuer là. On peut faire cet Atari d'abord. Ouais, mais quand il fait Atari ici, ça fait Atari là. Il n'y a rien du tout. Il pourra rien faire. S'il vient là, je vais là. Ça met Atari sur les deux pierres. Et en plus, c'est risqué parce qu'il peut perdre ici. Atari. Je pense que ça s'arrête après 5 ou 6. Là, on a capturé 5, on verra. Si on a capturé d'autres. Ce qui sera intéressant, c'est qu'il nous ait mis après, au-delà de 5 ou de 10, qu'ils mettent le chiffre au-dessus, entre parenthèses, quelque chose. Ça s'ajoute en tas. Ok. Bon, on va prendre la pierre. Les pierres. Hop. On vient ici. Et on joue là. Comme ça, quand il capture, c'est un snapback. Mais ouais, cette séquence, c'est on a fait, on n'a pas fait les meilleurs coups. Merci pour le follow, les yeux phares. Bienvenue à toi. Capture. Et il vient là, il attaque. Ok, donc là maintenant, il faut protéger toutes ces pierres. On va vite voir si ça fait des tas. Ah oui, j'ai capturé. Bon, rien du tout en fait. Rien du tout. Merci pour le follow, Master Kiki. Re-bienvenue à toi du coup, t'es déjà là toi. Bon, on va passer par-dessus. Déception, un peu ouais. C'est pas la folie. Alors le terme thermique pour ce qui est en train de se passer, c'est le bordel. Tac. On va ici, il vient là. Je peux aller juste ici, je pense. Et quand on va jouer sur les libertés, il en a que 3 avec ça. Quand il vient là, je vais là. Obligé de connecter, mais dans ce cas je connecte et il a plus de place pour bouger en fait vraiment. Est-ce que je peux aller comme ça plutôt? Peut-être directement ici. Si on lui donne cette pierre, c'est pas bien grave. Qu'on s'entende. Ok. Si je viens là, qu'est-ce qui se passe? Il me reste 1, 2, 3, 4 libertés sur ce gros pâté. Il descend là. Il en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qui est intéressant pour moi à faire, c'est ça. Et s'il protège ici, on vient là. Est-ce qu'on peut aller là maintenant? Ce qui peut aller là. On vient ici.
fait d'abord atterrir comme ça, puis il prend la pierre, on fait ça, il capture, on recule. Quand il s'en va, on n'a rien de spécial. Ce serait la gourmandise. On fait ça, c'est pas très beau, mais bon. Ok. Maintenant, encore une fois, si on va là, il fait Atari. Et il aura un œil contre pas d'œil, donc il vaut mieux éviter. On fait ça. Et on revient par là. Un peu dégueulasse. Mais bon, on a capturé pas mal de pierres, on a pas mal de points en vrai, mais c'est... ouais. Continue à attaquer. On va connecter. Par contre, s'il monte, nous on fait le année, voire double année. Ok, ça c'est un peu trop, parce que avec tout ça, t'es pas vivant. Attention à mes pierres également. Si je vais là, qui monte, tac, qui coupe, on pourra aller là, tout simplement. Donc on a les deux possibilités. Par ici, par là. Donc ça va, pour le moment. Ok. On va pas pousser, parce qu'on crée nous-mêmes une très mauvaise forme. Donc on va tout simplement connecter, déjà. Base de vie. Et on garde des idées par là. On va venir là. Mais c'est pas très bon tout ce qu'on a fait avec nos pierres là. Mais bon. Et là maintenant il doit penser à ça, il doit penser à ça. Et on peut aller là. On peut sauter. Ça devrait aller. Ok. On continue ici. Il y a une menace de coupe. Qui va faire la double gueule de tigre ici. Mais dans ce cas ça ferait qu'il m'a déchiré. Non, il vient couper. Ok. Tac. Non, il vaut mieux faire celui-là. Puis atterrir ici. Ou alors atterrir comme ça. Ouais, c'est peut-être plus intéressant celui-là. Tac, tac. Et on revient là. Comme ça, on a quelques libertés quand même. On va faire ça. Ça sent le meurtre. Non, non, non. Est-ce qu'il peut vivre avec tout ça? Ouais, il joue. Même en jouant là, on peut faire atterrir ici. Et après, il faudra protéger par contre. Mais il a pas l'œil là, il en aurait qu'un. Ouais, il a été trop gourmand en attaquant de ce côté. Ça fait peur. Et du coup, c'est bien 5 fois 30 secondes. Ok, c'est bien. Donc c'est presque comme sur KGS, sauf qu'on a 25 minutes de temps principal sur KGS. Noir, il s'est mis en galère tout seul. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Trop agressif, ouais. Encore une fois, c'est ne pas attaquer avec des groupes instables. Là, il s'est trompé de direction, il s'est rajouté un deuxième groupe. Même si, effectivement, ça m'attaque, mais il... tellement de liberté dans ce truc, faut d'abord penser à... Fallait me pousser par ici, par exemple, je sais pas. C'était déjà chaud dès le début, je trouve. Après, il y a une différence de niveau aussi, donc c'est pas évident pour lui. Ok, on capture la pierre. D'accord, il y a marqué ici le nombre de capturés au moins. Ici et là. Donc ça va, c'est juste pour le design, on va dire ça. Ok. Capture. Donc là il dit si je joue là, j'ai un œil ici. Certes. Mais si tu joues là et que je vais là, il me reste deux libertés. Donc si tu joues là, je vais là. Atari sur ces pierres là, donc il n'y a pas d'œil ici. Si tu vas là, je vais là. Atari sur toutes les pierres là, donc pas d'œil ici. Donc là, il n'y a pas. Bien sûr, dans les deux cas, il faudra que je rajoute un coup ici, parce que sinon, il met Atari, je protège et il capture le tout. Donc il faudra que je rajoute un coup. Mais pour le moment, je vais jouer ça. Parce que je suis pas pressé ici. Donc je vais jouer ça pour me donner un peu d'air pour ce groupe, au cas où, même si après ça va, mais de toute façon, ça, c'est un gros coup.
Et on va... Si je fais ça, on perd la G dans le coin. Peut-être qu'il y a des petits trucs. Tac. Non, comme c'est atterri. On va plutôt tourner ici. Donner un peu d'air à ce truc. Il a son œil. En fait, t'es en Dame Zumari. Où ça? Non, non. Regarde, il me reste deux libertés. S'il va là, je vais là. Il va là. Et je protège. Attends. Il a P12 santé. Tac, tac. Ouais. Tac, tac. Ah oui, c'est que des faux oeils, tout ça. Ah. Ouais, effectivement, Atari. Et s'il va là, je vais là. Il va ici, je dois aller là. Il fait Atari. Ah ouais, je peux mourir dans tout. Pas voulu trop le jouer parce que je l'avais pas vu avant que tu me dises, donc ça aurait pas été trop très loyal. Mais oui, s'il va là, je vais là, il va là, je vais là, il va là, je protège et il capture le tout. Donc je suis obligé de sacrifier tout ça. Et du coup, il revient bien dans la partie. Hein. Ah, il m'aime bien dans la partie, peut-être, je sais pas. Mais ça aurait pas été très cool de rajouter un coup, je pense. Par contre, là, il s'est trompé, non? Tac, tac, tac. Tac, tac, ouais, il s'est bien trompé là par contre. Bon, ben, il n'y aura plus de séquences ici. Dur. Stop backseat. Et en même temps, c'est pas facile parce que. Bah, il faut bien que j'ai le droit de discuter de la partie. Quoi. C'est pas évident comme. Comme situation. Merci pour le follow, les doves. Les doves for you. Bienvenue à toi. Et là, oui, quoi il protège, voilà. Mais ouais. Je suis pas attentif. Enfin, de toute façon, tout démarre de ça. À chaque fois, quand je fais une grosse erreur comme ça, je lâche un peu. C'est bien. Très bien. Tac. Il va là. Je vais là. Et maintenant, quand il met Atari sur tout ça, en fait, je capture. Du coup, ça va. Mais j'aurais dû davantage surveiller parce que je connectais en première, deuxième ligne. Donc, pas très beau. Ah oui, bah oui, il vit. Bah je... de toute manière, si je sacrifiais ça, il vivait également. Mais ouais, ce pâté est dégueulasse. Bon, tant pis. C'est pas grave. C'est peu cher payer mon erreur. Mais bon, ouais, j'ai des formes dégueulasses. Et il abandonne. Ok.